J'étais tranquillement à la maison lorsque dehors un bruit sauvage et affreux résonne. La sirène explose des tympans et là, boum! Qu'est-ce qui se passe? Les flics qui me défoncent la porte d'entrée de la demeure et qui se mettent à zouaver dans tous les sens. Police! Que personne ne bouge, ils disent, hein? Donc, si vous dites ça, vous n'avez pas à bouger, vous non plus, hein? Ah, mais par contre, ils respectent pas ce qu'ils disent, parce qu'ils font des mouvements, eux. Là, on a le criminel! Qui ça, ma tarte aux pommes? Mais elle est encore dans le fourré! D'un seul coup, cette couille m'arrête! Pourtant, j'ai rien fait, hein, moi, je suis innocent! Un capitaine de police qui se retrouve en face de moi! Avouez que c'est vous qui avez commis ce crime odieux! Ah bon, quel crime? Mais je sais que ma tarte aux pommes, moi! On va voir ce que va dire le juge! Le juge est dans son monastère marron! Vous êtes accusé de grands méfaits, hein? Mais je suis innocent, je n'ai rien fait, moi! L'avocat de la partie civile nous montre alors des photos de pantalons déchirés. Regardez donc! Nous avons toutes les preuves à votre encontre! Je joue moi-même le rôle de mon propre avocat car je sais parfaitement me défendre, hein! Et si vous êtes l'avocat de la victime, où est la victime? Elle est en train de se refaire le derrière! Le juge qui se lève énervé! La victime, c'est moi! En passant par devant chez vous, vous m'avez violemment agressé! Moi, j'éclate de rire! Mais c'était pas moi, c'était la plante carnivore de ma fraîche de 90 ans qui vous a bouffé le derrière! Et le pantalon aussi! Votre plante était solaise sur la voie publique, hein, qui me lance le juge! À cause de ça, il est maintenant obligé de se trimballer avec un slip et un oreiller! Mais moi, je me lève et je déchire les photos sous le regard ahuri de la salle! Vous détruisez des preuves! Ce que vous faites est très grave! Je monte jusqu'à l'estrade du juge et d'un seul coup, je le bourre d'un coup de fessier! Outrage et agression à magistrat, qu'il dit l'autre qui a un oreiller dans son string! Mais moi, je prends les commandes du jugement, hein! Silence dans la salle, que je dis! Je pointe du doigt l'autre qui n'arrive pas à se relever à cause de son coussin et je lance alors! Grâce au pouvoir que me confère le marteau, je récuse dès à présent ce juge pour partialité! J'abaisse mon marteau et verdict, indigé! Et en dédommagement, j'accorde à l'accusé désormais innocent la jouissance.